là, toi? Ouais. Me voilà arrivé sur le Rhône pour une pêche avec l'équipe Black Cat. On fait une session, on essaie de se faire une session team une fois par an. Cette année, c'est sur le Rhône que ça se passe. Bon, les conditions sont, en arrivant, sont un peu catastrophiques parce qu'il y a eu de très très grosses crues. Donc moi, je suis arrivé un peu tard hier. J'ai voulu pêcher parce que le Rhône, c'est toujours un fleuve qui est mythique et que dès qu'on arrive, on a directement envie de poser des cannes. Bon, pour la première journée, ça a été compliqué. Alors, bon, ce qui dit cru, c'est détritus, tout ce qui est arbres, herbes. Et c'est vrai que quand on doit poser les lignes sur une crue ou une décrue, c'est jamais facile. Donc, ce matin, nous avons replacé les lignes avec des montages sous-marins parce que le Rhône paraît un peu plus clair aujourd'hui. J'espère vous retrouver tout à l'heure avec un poisson au bout de la canne et je vous dis à tout de suite. Ce matin, nous sommes partis en verticale avec Nicolas. Nous avons été chercher un peu les zones un peu plus calmes, où il y avait beaucoup moins de courant. Nous avons réussi à localiser quelques jolis poissons, malheureusement qui nous ont refusé l'appât, si bien un vif et une belle grappe de verre. Mais bon, c'est le jeu, on le sait, les poissons, quand ils n'en veulent pas, ils n'en veulent pas. Ça fait partie de la pêche, on le sait. Maintenant, à nous de trouver la bonne technique hein, pour déclencher les touches. On va voir sur cette journée ce que ça dit, et puis en espérant toucher enfin du poisson. Et je vous dis à tout de suite. Alors nous voilà revenus en verticale pour faire le coup du soir, en fin de journée. Là on est revenu sur le poste où on a vu, les jolis poissons ce matin. Puis on va voir si ça va amener à quelque chose. Nous sommes passés sur de la brème. Ce matin nous avons du carassin et du verre, il n'y a pas eu de résultat. On a changé de vif et puis on verra si la brème sera payante.
Et oui, ils sont décollés, John Fish. Allez. En ce petit temps de pause, je vais vous montrer comment procéder à un montage aspiration que je pratique 80% sur mes montages au flotteur sous-marin. Donc voilà, vous allez suivre les étapes pour effectuer ce montage. Donc là, vous pouvez prendre une tresse à bas de ligne. Ici, c'est du front zone de chez Black Cat pour une résistance de 100 kg. Vous l'insérez ici dans l'œillet. Vous laissez une petite marge que vous viendrez couper par après, le surplus. Ici, vous faites le nombre de tours suffisant. On ressort toujours côté pointe. Ensuite, on va venir ici incorporer une petite gaine pour protéger le nœud. Donc là, j'ai coupé un morceau de gaine un peu plus long que d'habitude. Bien mouillé, sinon ça coulisse pas. Alors c'est un peu dur, mais c'est normal. Donc n'hésitez pas à bien enfoncer pour que ça ne bouge pas par la suite. Alors ici, j'ai laissé un peu plus de gaine qui est dans le vide. C'est pour pas qu'il y ait ce système que ça vienne s'emmêler avec l'autre hameçon, vous allez comprendre. Ensuite, on prend une taille au-dessus du premier hameçon. On procède la même chose. Ensuite, vous allez faire une boucle classique avec l'hameçon en 6-0. Vous le passez dans l'œillet. Alors c'est pas évident parce que tout dépend de la taille de l'œillet. Pardon. Il va falloir un peu tirer dessus tout en faisant attention de ne pas se piquer les doigts. Voilà, comme ici. Ensuite, la boucle qui a été faite et qui a été passée dans l'œillet, vous venez ici la mettre comme ceci. Hop. Et vous refaites passer. On va couper ça pour pas que ça nous embête. Et vous le refaites passer dans l'œillet. Ce qui rend... Voilà. Donc une fois que vous avez fini de passer votre boucle dans l'œillet, vous venez le plaquer ici contre. Voilà. Comme ici exactement. Ensuite, on va venir là faire une jonction avec du fluorocarbone. Comme ça, ça va permettre d'avoir une souplesse ici sur les 10 cm qu'il y a ici. Et après, on va venir prendre du fluorocarbone pour faire la jonction. Après, le fluorocarbone, tout en fonction de là où la rivière ou le fleuve que vous allez pêcher, à vous de choisir la longueur qu'il vous faudra. Donc ici, comme ici, vous le passez. Là, vous le tenez et maintenant vous venez prendre la tresse tout en restant bien plaqué et idem, vous faites autant de tours, ça peut être 5-6 tours, mais moi j'en mets souvent 6-7. Voilà, on ressort toujours côté pointe. Alors ici, pour faire la jointure avec le fluorocarbone et votre bas de ligne en tresse, allez, on va jusqu'à 8. Ensuite, on ressort côté pointe le fluoro. Et ensuite, sans se piquer les doigts, parce que ça pique très fort, on vient bloquer le tout. Comme ceci. Finalement,
Ça ressemble beaucoup à un montage comme procèdent les carpistes, montage cheveux, sauf que ben, ici on vient mettre un plus petit hameçon. Et sur ce petit hameçon, c'est là où on va venir écher le vif au nez ou sur la bouche. Alors pour finir, on met une gaine de protection, toujours. Donc ben, ces gaines servent de une pour protéger ben, nos nœuds et ensuite aussi pour couvrir un peu tout ce qui est magnétisme sur la ferraille que le sciure pourrait éventuellement ressentir. Alors ici nous sommes sur les nouveaux flotteurs sous-marins de chez Black Cat. Ici on est parti sur du 15 grammes. Pour bloquer bien évidemment le flotteur, mais vous procédez pareil ici avec un petit caoutchouc qu'on fait coulisser. Hop. Et qu'on vient repasser de l'autre côté. Voilà. Pensez toujours à bien mouiller, c'est important que le fluoro prenne pas un mauvais pli. Là, vous avez le montage aspiration vraiment propre, nickel, et c'est vraiment très efficace. Bon ben voilà les amis, on arrive à la fin de la session du rassemblement team. Bon mais cette fois-ci ça n'a pas joué en notre faveur. Le Rhône dès mon arrivée était en crue, donc ça s'annonçait déjà très compliqué. Donc on a mis toutes nos chances de notre côté avec plusieurs techniques, plusieurs approches différentes, si bien la pêche du bord qu'en verticale. Mais très très compliqué et bon, après ça fait partie du jeu, hein. C'est pas parce qu'on est chez de grandes marques comme Black Cat qu'à chaque fois on doit sortir du poisson à tous les coups. Donc voilà, cette fois-ci le Rhône nous a pas délivré ses secrets, cette fois-ci. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on a pu se rassembler avec les copains de la team. C'est déjà une très bonne chose, on a passé un super moment. Donc voilà, j'ai perdu cette bataille, mais bon, j'ai pas dit mon dernier mot et puis on reviendra très vite pour essayer de capturer de jolis spécimens ici. Donc je vous dis à très vite sur les canaux Black Cat.